Hey les gens c'est driz, j'espère que vous allez bien, en tout cas mon les gars ça va vraiment super Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Hop sur Clan Et aujourd'hui, bah déjà je vais m'excuser parce que c'est vrai que normalement à l'heure où tu regardes cette vidéo Enfin si tu la regardes au moment où elle sort en fait, c'est vrai que elle est un petit peu en retard par rapport à d'habitude Tu vois genre l'horaire c'est pas le même, on a eu des petits soucis de montage, de commentaire, on a dû refaire Bref peu importe, on s'en bat les couilles, l'important c'est que tu sois derrière ton écran à siroter un petit oasis avec notre petite vidéo Donc aujourd'hui, avant toute chose, donc avant de parler du sujet, hein, parce que c'est quand même le plus important de la vidéo. D'abord je vous incite très fortement à aller vous abonner à la chaîne de Obscur Razor qui est donc dans la description les gars c'est lui qui réalise le gameplay que vous avez en fond c'est un très bon player et il s'approche grandement des 8000 abonnés donc bah ce serait bien que vous pouviez aller faire un petit coucou sur sa chaîne avec un petit hashtag obscur dans les commentaires euh, voir un petit abonnement des familles qui lui permettrait d'atteindre un peu plus vite les 8000 abonnés bref trêve de bavardage aujourd'hui les gars on se retrouve pour euh, vous présenter trois armes que tous les noobs utilisent sur Black Ops 3 et je sais que tous ceux qui sont dans la performance, tous ceux qui, qui tâtent un peu le, le fait de faire des nuques, etc., vont se reconnaître dans ce que je vais dire, tu vois. Donc on va commencer avec. Avec allez. On va, on va faire un classement un peu du moins... du moins bien on va dire, enfin du moins pute au plus pute tu vois. Bref, le moins pute et mix-garant. Donc, le gameplay que vous avez sous les yeux, c'est fait exprès un peu. Tu vois, t'as capté, le mec est bon, le mec est intelligent. Donc, mise garant, effectivement, vous allez dire, c'est une arme DLC, donc tout le monde l'a pas, frère, tout le monde a cette arme, gros. C'est un truc de baiser. Je ne connais personne qui n'a pas la mise Franchement, si vous n'avez pas la mise les gars, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je pense que vous êtes un des seuls au monde, sans déconner. Tout le monde l'a, et faut savoir que normalement, elle a des dégâts qui sont approximativement les mêmes que la Shaiva, d'accord Sauf que, dans les mains d'un noob, qui, comme dans un corner, avec des petites charges électriques allongées ou quoi que ce soit, elle met une balle mais quand je vous dis une balle c'est pas genre le mec a de la co, il en met deux mais de son... non non non. Le mec met une balle frère, même pas dans la tête. Il en met une. Bref, OK, vous allez me dire elle peut pas charger donc ça compense mais non non, c'est une arme de pute. Bref, deuxième arme les gars. Là là vous allez vous allez reconnaître des... Notre, nos amis les KSA. Nos amis les KSA, les vrais savent que les KSA c'est des <laughs> c'est des je vais pas insulter, je ne vais pas insulter. Bref, vous savez la BRM les gars. Cette putain de BRM, d'accord, avec laquelle vous vous déplacez comme si c'était une SMG, qui vise aussi vite qu'une SMG, mais qui met aussi autant de balles que la Shiva Frère, vous prenez des deux balles BRM, peu importe la distance, vous êtes pas bien. Au corps à corps, tu perds ton duel quand t'es à la VMP, alors que le mec en face a une BRM. C'est pas normal, c'est overpowered Et ben, tous les noobs vont se mettre dans les corners Vont se mettre au top avec quoi Avec cette BRM Et je vous assure que des fois cette BRM Elle peut vous faire rager, l'autre fois par exemple On était en groupe de deux, faut savoir que je suis mort euh, En GS, enfin, je suis mort en 78 GS Je crois, voilà Alors que j'étais parti et après je les ai enchaînés de ouf tu vois. Mais bref, je suis mort comment Je suis mort par Une balle de BRM Et j'étais pas weak, d'accord Bref, c'est une arme de salope Donc ceux qui jouent BRM, je suis désolé les rey Vous êtes des putes je vous le dis, tu vois, vous, êtes, vous faites partie de la catégorie des mecs que je respecte pas sur Black Ops 3, ok Bon, bref, ceci étant dit, on va passer à, au summum, j'ai envie de dire, tu vois, sur l'arme de salope par excellence, le Breachy. Et là, frère, vous allez me dire, ouais, non, non, frère, le Breachy, c'est une arme de grosse pute, d'accord Qu'on se mette d'accord. Tous les mecs, corner, allongé, charge électrique, para, Breachy qu'on voit, c'est un truc de baiser. Le Breachy, ils l'ont encore up. Maintenant, dans certains cas, il va te one shot, mais pas one shot pour rigoler, one shot vraiment. La force du bridge, est qui tire en rafale, ok. Mais que quand même, il one shot pas à la base, tu vois. Donc déjà qu'il était overpowered d'avant Là, les rey, frère, je suis pas bien gros. Quand il y a un mec au brechtiste en face, j'ai juré, je fais les bus avec ma manoire hein. Ah, je peux pas. Ah non, 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 mais tu peux pas jouer contre un mec bref si t'as pas de haters, si t'as pas de trucs. Le mec te one shot et en plus il a une portée, mais wesh. Alors, allez frère, je vais appeler. Vous savez quoi, après avoir tourné cette vidéo. Je vais appeler David. Je vais l'appeler directement. Je vais dire frérot, il faut faire un truc pour brechi Et je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo, s'il l'a fait ou pas, ok. Bon bref, en tout cas les hey, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc donnez votre avis sur ces armes en commentaire sur ce petit top 3 si ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu des familles. Ça nous ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On est vraiment proche des 25K. Donc ça ferait vraiment plaisir. C'était Driss. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, l'épice.